il y a au total 29 personnes en moins sur Clocheville. Dans le même temps, on a des lits qui ferment par manque de personnel aussi dans d'autres services. Je vous donne un exemple. Le week-end dernier, dans le service de neuro-ORL, il y a eu 7 lits fermés par manque de personnel. Le week-end prochain, dans le service de l'unité de spécialité pédiatrique qui est en grève actuellement, il y a des lits qui vont fermer par manque de personnel. Mais dans un hôpital public, les demandes, bien entendu, fluctuent. Nous sommes là pour être toujours présents pour les patients, quel que soit le nombre de patients. Et le week-end dernier, il y a eu par exemple des difficultés pour hospitaliser des patients dans le bon service.